Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Passion maquette. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing d'un colis que je viens de recevoir. Donc, vous savez d'où ça vient, sans leur faire de pub. Donc, voilà. Écoutez, je suis devant là, j'ai qu'une seule chose, c'est envie de l'ouvrir. Par contre, bien sûr, je sais ce qu'il y a dedans. Hop là, vous me direz ce que vous en pensez. Moi et mon plus, hein, c'est deux petits. Bon, allez, je vous le dis ou je vous. Non, allez, on attend. Allez, on attend. Hop. Alors, ce que je voudrais pas surtout. Oh, le suspense. Ce que je voudrais pas surtout, c'est de voir le petit papier. Hop là. Alors, déjà. Déjà, il y a de la pub. Alors, par contre, je vais enlever mon petit papier. Hop là. On a reçu une petite pub. Précision métal fort. Donc c'est un truc de précision. Ah oui. Maintenant de la pub on en reçoit vachement, je trouve, chez. C'est bien, c'est bien. Donc ça doit être des trucs ouais pour ça. Ok. Bon bah très bien. Donc voilà, donc là maintenant, alors eh ben, on va ouvrir. Bim! On va la mettre à l'endroit. En voilà une. Ah les amis, la petite Lamborghini de chez Tamiya. Alors je vais la sortir. Hop là. Bim! Et voilà. Donc ça sera un autre kit qui va se monter sur la chaîne. En 1/24e. Hein. Donc c'est une valeur sûre en principe, hein, c'est du Tamiya. Donc c'est cool. Franchement, déjà la boîte, elle est sublime. On va ouvrir ça. Allez, on va regarder ça comme ça. Hein. On va pas non plus. Enfin, si, il faut pas regarder comme il faut, bien sûr. Bien évidemment. Allez, allez, allez. Oh là 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 là. Que de paquets, que de paquets. Ouais, je l'ai pris en plus parce que dedans, il y a un petit bonhomme dedans. Il y a le pilote. Vous voyez? Oh, c'est cool. Ça, c'est chouette. Hein. Regardez comme c'est bien emballé. De toute façon, c'est du Tamiya. On est sûr de notre coup, là. Hein. On est sûr de notre coup. Ah, les grappes sont belles. Hein. Bah, comme d'hab. Hein. Comme d'hab. Oh, y a même pas à poncer le truc. Quoi. Tellement que c'est joli. Les parties transparentes. Ouais, c'est joli, c'est classe, c'est classe. Ça sera un petit unboxing vite fait, quoi. Ça sera une courte vidéo. Ah, dis donc, il y a des piles dedans. On dirait qu'il y a un passage pour mettre des piles. Ah. Bon, là, je sais pas où on est parti avec ce kit, là. Les pneus. Ah oui, il y a de la ferraille là. Oh, les pneus de toute beauté, les pneus. Ah, et si, il y a la petite feuillure à poncer, mais bon, ça devrait le faire. Et la petite carreau. Oh là 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 là. Comme un enfant, hein. Comme un enfant. Oh là là. Ça, c'est propre, hein. C'est vraiment pas dégueu du tout. Hein. La carrosserie, elle brille de mille feux déjà. Petite Lamborghini Countach. Oh là là. Superbe. Je sens qu'on va se faire plaisir avec ce petit kit là. On va essayer de trouver les peintures chez. Faut que je regarde d'ailleurs, mais en principe, on devrait les trouver, je pense. Chez Gravity Color, comme ces peintures, je les aime beaucoup, donc je vais voir si je peux les trouver ou un rouge qui sortirait du truc. La carrosserie est déjà rouge. Ensuite, les jantes, les chromes. Oh, putain, c'est bien fait quand même. Hein. Franchement, c'est bien fait. Hein. Là, le chrome, il est vraiment beau. Hein. Oh, attendez. Ah oui. Pas si on voit, mais franchement le chrome il est vraiment de toute beauté là.
Ah, vraiment superbe. Le moteur, je sais pas ce que c'est, ça doit être du moteur, les pédales, le pot d'échappement. Ils ont même fait les trous, je pense, la sortie de pot. Oh, c'est cool. C'est cool. Donc ça sera un petit kit qui va se monter sur la chaîne. Je remballe en même temps, hein, je suis désolé, je fais mon petit maniaco. Les pneus. Oh, c'est chouette. Ils sont beaux, les pneus. Oh, ça m'embête de déballer tout, mais regardez. On voit, là. Ouais, c'est pas dégueu, tout ça. C'est pas dégueu. La baignoire, les fauteuils. Oh, il y a un beau petit cuir, là, l'ancienne, la marron. Hop là. Oh, on va l'ouvrir, celle-ci. Allez. Allez, on l'ouvre. Hein. C'est bien parce qu'on est entre nous. Hein. Oh, j'espère que vous allez me péter le compteur des pouces bleus, là. Avec des kits comme ça, oh, c'est superbe ça. Regardez. Petit fauteuil de toute beauté. De toute beauté. La baignoire. Non, vraiment. De toute façon, c'est du Tamiya. On se lance pas dans du n'importe quoi là. Quand c'est du Tamiya, tout va. Quand c'est du LR, tout. Non, je déconne. Non, c'est bien LR aussi. Tout est bien. Ça dépend du maquettisme, en fait. Je pense, hein. Ouais, j'en sais rien, à vrai dire. Oh là, je m'emporte, là. Je suis parti, je sais pas où. Tais-toi, Tino. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais pas ouvrir ça tout de suite. Alors, voilà, là, il y a deux piles. On va regarder ça sur le... On va regarder ça sur le... sur la notice. Mais là, il y a deux piles, on dirait, hein. Doit être certainement pour allumer quelque chose ou pas. Il y a marqué quoi là? Il y a marqué des lettres. Je sais pas trop. Le châssis, ça c'est. Donc là, il y a encore des pièces de châssis. On a vu tout à l'heure le volant. Je peux enlever la graffe là parce que ça, si ça traîne et qu'on marche en chaussettes, ça fait mal. Bon, on a vu ça. Oh, c'est de toute beauté, quoi. C'est de toute beauté, impeccable. Ok. Ensuite, une autre grappe rouge. Donc, l'aileron, certainement. Juste au-dessus du... Juste au-dessus du coffre, ça, je pense. Les feux. Au-dessus des feux, le cache-feu, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Oh, ouais, c'est chouette. Et le petit bonhomme. Avec le casque. Ah, il y a deux modèles de... Ah non, c'est le casque fermé, d'accord, ok. Il est rouge aussi, hein. On va essayer de lui faire un petit truc sympa, plus avec les vidéos de Rumfig maintenant. On devrait bien arriver à réussir à peindre un bonhomme. Quoique, si c'est moi qui le peins, c'est peut-être pas forcément... Oula, voilà. Voilà comment se planter une agrafe. Hop, là en direct live, juste, hein. C'est bon, il n'y a pas de mort. Donc voilà. Le petit bonhomme à assembler. Ça brille de mille feux, en tout cas, le plastique. Hein. Oh là, il y a des bavures là à faire. Il hein. Y a un peu de boulot là-dessus. Hein. La tête du bonhomme. Est-ce qu'il y a la tête du bonhomme représentée? Oui, dans le casque, vous voyez. Oh, c'est cool. Ça, c'est cool. Hop là, on remet ça proprement. Alors la notice, alors ça c'est des calques. Ah, les décalques, il n'y a pas... Les décalques, ils sont pas... Il y en a... C'est pas beaucoup là-dessus. Bah oui, remarque, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Alors attendez, je vais enlever ça. Ça va pas. Voilà. Je mets bien ça à la poubelle, les agrafes, parce que c'est très de ça. Donc voilà la planche à décalque. Oh bah c'est propre, hein, de toute façon. C'est du Tamiya. Hop. On va remettre ça à l'endroit. Hop là, on va remettre ça dedans. Alors, là,
il y a les assemblages pour le petit bonhomme. Donc ça, c'est pour le pilote. Donc c'est la figurine du pilote. Ok. Faut mettre le pilote et mettre le tableau de bord après. Ah, sinon, il rentre pas. Hein. Ça, c'est sûr. Ok. La notice. Ouais. Ah, c'est une petite notice. Hein. C'est une petite notice. Je suis dedans, hein. Je suis désolé. Je suis en train de le faire. Ok. Ah, le moteur, là. Oh là, c'est chouette. C'est cool, ça. Alors, est-ce que le boîtier, ça veut dire quelque chose par rapport aux piles? Je sais pas, parce qu'il montre rien sur le plan. Est-ce qu'il y a un assemblage de piles? Est-ce que c'est marqué produit premier équipe rouge équipé d'un jante Pirelli 7 P7 large d'élargisseur d'aile noire d'un spoiler avant d'un aileron arrière du moteur hein. Ah, il y avait une couleur bleue aussi. Donc, on pourrait la faire en bleu aussi, apparemment. Apparemment, elle était en bleu aussi. Bon, mais j'aime bien en rouge. J'en sais rien, je vais voir. Ouais, donc pour les piles, eh ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, bah, j'en sais rien. Je regarderai tout ça à tête reposée. Donc, on remet ça comme il faut dedans. On va essayer de ranger ça bien. Bim les amis. Et comme on a de la chance et que ça arrive jamais seul, ah oui, j'ai pris ça aussi. Alors vous savez, ça c'est pour faire les, bon, par contre je peux pas tout me payer d'un coup, donc du coup j'ai pris juste le stylo pour l'instant, enfin le support, et je verrai le mois prochain si je peux, bien sûr, pour pouvoir, on en est tous de là, hein, pour voir si je peux m'acheter au moins une ou deux lames. Allez, je vais vous montrer. Alors il y a un autre scotch ici. Vous savez, c'est pour graver. Hop là, vous savez, pour les tac. Pour tous les traits de moulage, quoi. Enfin les traits de moulage. Les traits de structure, on va dire. Chut. Mais bon, je me suis pris juste le stylo, c'est déjà pas mal. On verra le mois prochain si je peux m'acheter les outils pour graver. En plus, il y a plusieurs modèles, il y a 1 mm, 1 mm 5, 2 mm et quand même c'est une vingtaine d'euros juste l'outil quoi. Donc c'est pas rien quoi. Donc voilà, on va le garder précieusement là pour l'instant. Hop, on va remettre ça comme ça pour éviter de l'abîmer. Bien entendu. Bon, c'est pas l'endroit mais c'est pas grave. Ok, donc ça c'est cool. Donc voilà. Et ensuite, bim! Seconde petite voiture, la BM M6 GT3. En plus que je suis fan de BM, ça tombe bien. Donc c'est celle-ci. Donc c'est Hobby Nunun, modèle kit. Je sais pas comment qu'on dit, mais ça m'a l'air d'être du bon matos. Allez, on va la découvrir ensemble. Petit tour de boîte. Tac. Ce qu'on voit bien, ouais, c'est pas mal. Hop là, là, il y a toutes les couleurs. Donc voilà, là, c'est une belle boîte aussi, hein, une grosse boîte d'ailleurs. Hein. Bim! Allez! Alors là, oh les pneus. Oh, déjà, on peut partir là-dessus, les pneus sont de toute beauté. Regardez ça. Ah, c'est des modèles récents. Hein. Modèles récents, on se fait pas peur. Hein. Oh, dis donc. Il n'y a aucun boulot à faire là-dessus. C'est nickel. Oh, c'est cool, ça. Les jantes. Superbe aussi. On va faire un petit liseré jaune, là, au milieu, là, ou or, je sais pas, on va voir. Oh, ça, c'est du bon matos, encore. Les chromes. Les chromes, je préfère ceux de Tamiya par contre. Ils sont moins bling bling. Hein. Ceux-là, ils sont un petit peu plus bling bling quand même. Mais bon, ils sont jolis quand même. Il n'y a pas de traces de spécial de moulure ou quoi que ce soit. Les parties transparentes.
Je vais peut-être pas ouvrir les paquets, hein, parce que j'ai pas envie que ça abîme. Je monte ça comme ça. Hein. Oh là, il y a pas mal de pièces. Hein. Oh, voyons, ça m'a l'air d'être propre, hein, par contre. Hein. Franchement, ça m'a l'air d'être vachement propre. Hein. Donc voilà, la baignoire, le châssis. Oh, c'est cool. Oh là là. Non, la baignoire, c'était, excusez-moi. Là, le châssis, encore une autre grappe. Oh, c'est propre. Hein. L'insigne. L'insigne. Ah, il y a le siège qui s'est fait la malle. On va laisser ça comme ça. La voiture. Allez, on va regarder au moins la voiture. On va regarder la carreau. Hop là. Oh, c'est propre. Hein. Franchement, pour... Belle carreau. Hein. Belle carreau. Hein. Là, il y a des décalques partout. En plus, sur cette voiture, on va s'amuser en décalque. Hein. Moi, ouais, j'aurais pu, si j'avais les pièces, là, j'aurais pu avec le stylo faire tous les... accentuer toutes les gravures. Ouais, ça aurait pu être pas mal aussi. Bon, on va voir ça. Ouais, c'est que ça fait cher, quoi. Donc voilà, les amis, la Caro. Toute beauté. Superbe. On va la remettre dans son petit sachet pour éviter de l'abîmer. Hop là. Oh, ce truc de fou. Putain, tenez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser choisir, d'ailleurs. Attendez, j'emballe ça. Ça fait un peu de bruit, ce bazar, là. La planche à décalque. Oh là là, il y en a un paquet de décalques. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser choisir. Donc, il va falloir laisser le maximum de commentaires. Enfin, de commentaires. Pour pouvoir me dire laquelle que vous préférez que je monte en premier. Voilà, y a mes collègues l'ont fait, ça. C'est marrant. Et puis, ça sera la prochaine, certainement, sur la chaîne. Oh non, j'ai la Jeep aussi. J'ai la Jeep Willys aussi, en 1/35e. Qui me plaît, mais je pense que c'est la maquette qui... C'est une des deux qui viendra après la Willys. Parce qu'il y a le camion, et il faut que je finisse la F1, bien sûr. Oh là là, c'est super beau, les décalques. Oh, dis donc. Des super beaux décalques. Les planches, là, elles sont... Il y en a un paquet, quand même, hein. Donc, ouais, donc, je vous laisse choisir, vous me dites. Et puis, ouais, je vais peut-être laisser une petite semaine. Et puis, vous, je prendrai celle qui a battu les records, quoi. Voilà. Donc, ça serait super cool. Une autre planche à décalque. Vraiment de toute beauté. Ah bah, dis donc. Que d'émotion. Le tout, c'est pas de paniquer, comme je dis toujours. Ah, c'est chouette. Ça, c'est cool. Oh, ok. Bon, je range ça. Ça, c'est cool, putain. Là, on s'est fait plaisir, hein, quand même. Hein. Là, on s'est fait un peu plaisir. Bon, une fois de temps en temps. Puis, on va monter ça ensemble. On va monter ça ensemble. Voilà. Hop là. On remet ça ensemble. Bien proprement, bien sûr. Oh, je suis tout. Tout fou comme un vrai gamin. Bim. Alors ça, c'est quoi? La notice, mesdames et messieurs. Oh là là, il y a du boulot en décalque. Hein. En décalque, on va se régaler. Donc pareil, hein, je vais essayer de voir si je peux trouver la peinture sur ce Gravity Color. Je vais les commander. Enfin, je parle de des peintures, je parle juste pour les carreaux. Hein. Pour les carreaux, c'est vraiment des très très bonnes peintures Gravity Color. Donc voilà. Donc après la notice, bon bah il faut la suivre, hein, étape par étape, hein, comme d'hab, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça, c'est le papier. Il y a une notice exprès juste pour la planche, pour les planches à décalque. Oh, il y a du boulot quand même. Oh, c'est cool ça, les amis. Ça, c'est cool. Bon bah voilà, bon bah je vais ranger tout ça. Donc voilà, c'était un petit unboxing vite fait. Hein. C'était un peu court, bon. Après, il n'y a pas besoin de s'éterniser 20 ans sur une grappe. Comme elle est propre, hein. Hop.
C'était surtout pour vous présenter ce qui va suivre sur la chaîne. Enfin, c'est vous qui allez me le dire d'ailleurs, du coup. C'est vous qui allez me dire celle que vous préférez, bien sûr. Entre la BMW M6 et contre la Lamborghini. Deux superbes kits. Bim, bim. Donc voilà les amis. Donc n'hésitez pas à un max de pouces levés. À fond la caisse. Et laissez votre petit commentaire. Hein, pour que vous me dites laquelle que vous préférez que je monte en premier sur la chaîne. Ouais les amis. Allez, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et surtout, faites pas les fous. Allez, à plus les amis. Salut, ciao, bye.